montagne sacrée de l'Himalaya bouddhiste, rien ne peut surprendre, rien ne doit surprendre. Sur cette terre où le moindre souffle de vent devient la respiration d'un dieu, les mondes merveilleux sont innombrables. Et comme des pèlerins partis à la quête d'un trésor, on s'y promènerait presque impunément. Dans ce monde, les apparences ne sont pas plus réelles que des visions. Les sons, comme surgis de l'espace, font partie du silence. Et histoire et légende se confondent. Bodhnath, ce qui en népalais signifie le village du Bouddha, reste un petit univers dont les aspects merveilleux se mesurent à la paix qui y rayonne encore. C'est ici que se trouve le grand stupa. Lorsque nous sommes venus ici pour la première fois, nous avons été étonnés puis émerveillés par l'énergie qui animait ce lieu. Il y a 2500 ans, le Bouddha Shakyamuni a enseigné aux hommes une voie qui leur permettait de se libérer de la souffrance. Depuis cette époque, ces enseignements ont été transmis verbalement de maître à disciple, sans aucune interruption, d'abord en Inde, puis ensuite au Tibet. Si rien apparemment ne modifie la ronde qui ceinture jour après jour les pieds du grand stupa, les soubresauts du monde extérieur atteignent pourtant les êtres qui y vivent. Selon les enseignements du bouddhisme, les offrandes de son âme et ses vœux de paix doivent apporter un contrepoids indispensable à la violence des hommes. Tout n'est pas merveilleux dans le livre du grand stupa. Le maître né du lotus y prédit aussi sa ruine. Une prédiction dont les termes sont étrangement d'actualité. Elle dit ceci. Alors que l'univers avance vers la conflagration finale, le poids de l'obscurité se fait plus lourd. Il n'y aura aucun répit dans le développement de l'égoïsme et ces conditions amèneront la ruine du grand stupa. Les corrompus et les égoïstes seront des gouvernants. Des avares et de grossiers démagogues deviendront des potentats locaux. Les écritures et les images sacrées seront profanées et volées. Des ivrognes prêcheront la voix. On écoutera l'avis de flagorneurs alors que des escrocs se vanteront de leur pouvoir psychique. Les signes annonçant ces temps se manifesteront par l'apparition de nouvelles et fantasques modes vestimentaires. Nous vivons une période difficile. Pour le moment, ça va encore, mais plus tard, ça va devenir de plus en plus dur. C'est ce que le maître né du lotus a dit. Il avait déjà prédit ce qui se passerait au Tibet.
Les choses changent. Et partout dans le monde, ça change aussi. Quand le monde va mal, c'est normal que je m'inquiète. Alors je fais des prières. Il faut faire des prières pour se sentir en paix. Si le grand stupa reste encore un lieu de paix, autour de lui, l'Himalaya, comme le reste du monde, est la proie de la violence et de la guerre. Depuis 50 ans, les Chinois tentent de détruire la culture du Tibet. Après avoir fait mourir plus d'un million de Tibétains et détruit presque tous les monastères, ils ont remplacé les drapeaux de prière du Potala, l'ancien palais du Dalai Lama, par de simples drapeaux de couleur flottant sur un musée. Tourisme et dollars obligent. La résistance du Dalai Lama et de son peuple procède de la même démarche que celle des habitants du stupa. À tout acte de paix, on obtient un résultat de paix. C'est la loi bouddhiste, celle de l'interdépendance, celle de la non-violence. Le maître né du lotus a effectivement prédit la ruine du grand stupa. De même qu'au Tibet, les monastères et tous les stupas ont été détruits. Il viendra un jour où le stupa de Bodhnath lui aussi disparaîtra. Tout est impermanent, rien ne dure éternellement. Le stupa a déjà été abîmé, restauré de nombreuses fois, et à chaque fois, il s'est trouvé plus grand et plus beau. Ils sont en marche depuis très longtemps. Une longue marche où chaque pas, chaque acte de paix, les rapproche de l'éveil, de l'état de Bouddha. Ce soir, pour que cette paix se répande sur le monde, ils ont allumé 100 000 lampes à beurre.